Hello tout le monde, c'est Colt Sueur, comment allez-vous? En tout cas, moi je vais très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve en force, les amis, avec un nouveau PC. C'est magnifique. Je reprends YouTube, hein. Je signale que la chaîne était en pause, hein, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué. Et donc, pour fêter ça, on se retrouve sur Stranded Deep. Donc, je vais vous lire tout de suite le petit résumé. Donc, prenez le contrôle d'un survivant d'un crash d'avion, quelque part dans l'océan Pacifique. Venez face à face avec certains des plus mortels scénarios qui se traduiront par une expérience différente à chaque fois que vous y jouez. Récupérer, découvrir, survivre. Donc le genre du jeu, c'est aventure indépendant et c'est en accès anticipé. Le développeur est Beam Team Game, l'éditeur de même Beam Team. La date de parution du jeu, le 23 janvier 2015. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, les graphismes sont en élevé, hein, voilà. Je veux que ce soit un truc de ouf, les amis. C'est voilà, normalement les 60 FPS sont disponibles dans la vidéo, donc s'ils sont disponibles, cliquez dessus. Voilà, je passe mon clavier en anglais, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve dans un avion, donc c'est un jeu de survie, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est pas assez fluide, oh là là. Voilà, ça va, c'est un peu plus fluide. Donc voilà, donc ce jeu fait allusion à certains films, genre Seul au monde avec Tom Hanks, pour ceux qui y connaissent. Donc voilà, ce jeu utilise un système de craft, hein, évidemment. Pour un jeu de survie, évidemment, il faut des crafts. Qu'on va nous présenter dans cet avion, c'est genre un petit tuto. Que voilà, donc le but c'est de se faire un petit martini, je pense. Donc voilà, si vous maintenez le clic gauche, vous avez le système de craft disponible. Donc vous avez cocktail et on voit à notre droite ce qui de ce dont il a besoin. Là, on va le faire. Donc maintenant, papier sur table pour avoir notre petit inventaire dans notre petit sac à dos. Donc nous avons un petit briquet. Donc aussi, vous avez des petits raccourcis. Hein. Donc ici, ce serait la touche 1 de votre clavier. Voilà. Donc, hop, voilà. On va prendre le cocktail. On va se le boire. Hein. C'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau. Donc c'est une bêta, je tiens à le signaler. Hein. La version 0.02, donc une bêta. Donc voilà, il y aura sûrement des petits bugs, des petites incohérences, mais voilà, c'est une bêta. Le principe d'une bêta, c'est juste. On lance le jeu, on y joue et voilà. Donc là, je suppose que vous imaginez ce qui va se passer. Ah mon Dieu, tout l'avion. Voilà, moi je reste un petit peu indifférent à ça parce que j'ai déjà joué au jeu. J'ai déjà joué une ou deux fois. Hein. Voilà. Pas que, mais j'aimerais bien quand même qu'on atterrit. Ouh là là. Ouh là là, petit bug d'affichage. Ah, je pense qu'ils sont morts. Je vais peut-être. Je suis sûr que bien sortir. Oh. Alors, vous avez encore certains bugs, hein, les amis. C'est ceux qui ont. Sont épileptiques, surtout ne regardez pas ce qui se passe. Ah oui, le réacteur explose. Et boum, on est projeté super loin. On se met dans le coma. Et puis on se réveille. Et regardez, c'est maintenant qu'on voit la qualité. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifiquement fluide. C'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est extrêmement bon. C'est bon. Beau, c'est beau. Pas bon. Mais c'est bon, mais. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc le principe du jeu, évidemment, c'est récolter les ressources disponibles sur les îles. Qui, attention, la map est chargée procéduralement. Donc c'est un mélange aléatoire et c'est en même temps schématisé. Donc il y a certaines îles évidemment qui ont dû être programmées, mais c'est totalement aléatoire. Par exemple, dans mon ancienne partie, je n'avais pas du tout cette île-là. Même dans mon avant-dernière partie, je ne l'avais pas. J'ai fait que 3 parties, hein. Je tiens à le signaler. Donc voilà. Voilà, il y a aussi une physique assez sympa. Donc si vous maintenez votre clic droit enfoncé, vous pouvez traîner les objets. Ça, c'est magnifique. Donc voilà. Donc le but
du jeu, c'est de survivre, hein, donc en récoltant les ressources disponibles sur l'île. Donc on va mettre les ressources ici tout à un endroit. Hop. Puis je vais vous expliquer un petit peu le système de craft. Tiens, tiens, tiens. Qui y a-t-il là-dedans? Ah, du papier collant. Je sais pas à quoi ça va me servir. Mais voilà. Donc hop, on va aller vite déposer ça. Alors on va un petit peu visiter l'île. Hein. Donc ce jeu, il n'y a pas vraiment de monstres, hein, à part le requin que vous avez pu voir. Là. le seul vrai danger, c'est la nature. Voilà. Et maintenant, pour survivre, hein, évidemment, il nous faut une petite barre de santé et de soif et tout ça. Donc si vous appuyez sur la touche F de votre clavier, vous avez votre magnifique montre avec l'heure, les degrés en Fahrenheit, le jour et le nombre de jours que vous avez survécu. Dont vous avez survécu. Donc je sais pas dire cette phrase. Et si vous cliquez encore une fois dessus, vous avez enfin vos stats, donc votre vie, votre bouffe et votre soif. Voilà. Donc moi je propose, donc on a visité là. On va aller voir s'il reste 2-3 trucs ici. Hein. Donc, ah oui, on arrive donc avec un briquet, un pocket knife, donc un petit couteau de poche, et de l'eau. Et ça. Voilà, maintenant, vu que c'est chargé procéduralement, vous n'aurez peut-être pas un coffre qui sera directement donné. Hein. Moi, par exemple, dans ma toute première partie, je n'avais pas de coffre, j'en ai même pas trouvé sur les îles. Donc voilà, y a des petits easter eggs hein, qui font allusion justement au film Je suis seul au monde avec Tom Hanks. Oui, je l'ai dit 3 fois, je sais. Genre la petite balle qu'il avait, je sais plus quoi. Ouh là là, j'ai donné un super coup dans mon... Là là, le stick, il s'enfuit. Voilà. Genre la petite balle, je sais plus comment il l'avait appelée, mais... Ah, donc je pense que la base du craft en survie, c'est un feu de camp. Donc il nous faut, je pense, 5 sticks. Donc on va déjà les récolter, hein, les 5 sticks. Donc la pierre, c'est pas vraiment... Bah, je pense que sans les pierres, on peut faire un feu de camp. Donc on va voir ça tout de suite au système de craft. Voilà, donc pour le craft, vous voyez que tous les morceaux sont sélectionnés. Hein. Donc, voilà, tout est sélectionné, tout... brillant en orange, donc il suffit de tenir votre clic gauche enfoncé, comme je vous ai dit, sélectionnez ça, et donc on voit que ça a besoin de 5 sticks, donc hop, on se fait un petit feu de camp. Vous préférez, ouf, moi je serais plus tenté à me mettre là, voilà, protégé par les arbres, hein. Donc je pense pas qu'on va l'allumer maintenant, par contre on va quand même mettre toutes les ressources disponibles ici, hein. Donc voilà, on va quand même récolter 2-3 trucs. Hop. Alors, on a... Ah, une plante. Ah, patate. On va faire des frites, les amis. Bonne frite belge. Ok, non, on arrête. Ah, voilà, ça c'est encore une petite plante. À... Non, je vais peut-être les garder parce que les tomates, je vais pas en avoir une grosse utilité maintenant. Il me faudrait juste un petit arbre avec lequel je peux... faire des cordes. J'espère qu'il est disponible ici. Apparemment, non, je vais juste augmenter le son du jeu pour mettre plus dans l'ambiance. Hop là, voilà. Ah ben voilà, un yucca. Donc oui, je reviens avec mes magnifiques clics. Je pense que vous les entendez. Si vous ne les entendez pas, c'est magnifique. Voilà, ah, allez. Hop. On va déjà c'est pas ça. Hop, on va drop tout ça. On va se faire une hache hein, pour couper du bois. Ça on pourrait peut-être se faire un abri ou je ne sais pas trop quoi. Donc là, je pense qu'il y a un craft qui serait disponible. Oui, un craft est disponible. Voilà, donc une pierre, un stick et un bout de corde. C'est magnifique. Hop, la pierre, on n'en a pas grosse utilité. Les patates, on va les laisser là. Le duct tape, je vais quand même le garder parce que c'est assez précieux. Donc voilà. On va déjà se faire un arbre. Non, celui-là, il est beau. Non, bah, on va... Ah oui, on peut grimper aux arbres. Hein.
Ça, j'ai peut-être oublié de le préciser. Voilà, on s'est récolté les noix de coco, s'il y en a. Non. Tiens, est-ce que je peux couper l'arbre en même temps que je suis dessus? Normalement, il faut 7 coups ou 8 coups, je sais plus. Je pense que c'est 7 coups. Non, je pense que ça marche pas. Ouais, c'est un peu logique, je suis sur l'arbre. Par contre, je vais tomber. Mais... Allez! J'espère que ça va pas m'écraser la gueule. Bah sinon, le jeu il est vraiment sympa. Hein. Et. Hop là! On peut le traîner hein, parce que notre personnage il s'appelle Hulk. Hein, il est super fort. Donc voilà, sinon, le jeu, moi je pense qu'il est vraiment sympa. Hein. Les gens vont peut-être penser que c'est répétitif. Oui, c'est peut-être répétitif, mais. Sachez que ça doit être réaliste, donc ils vont pas à chaque fois s'amuser à faire un autre biome. Genre là-bas ce sera de la neige, là-bas ce sera le désert. Vous voyez, on est pas dans Minecraft. Enfin bref, on va couper le tronc. Donc je vais peut-être passer ce moment chiant. Non, je vais discuter avec vous, voilà. Donc, bah, si vous voulez une vidéo spéciale où j'explique tout ce qu'il y a dans mon PC, bah, mettez-le en commentaire. Hein. S'il y en a qui trouvent que cette vidéo est géniale. Un max de pouces verts, les amis. Voilà, retour en force avec un nouveau PC qui m'a coûté plus de 1000 euros. Oui, il m'a vraiment coûté plus de 1000 euros. J'espère que vous comprendrez. Voilà, donc. C'est pas ça que je voulais faire. Non. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, on va pas faire ça. Je sais pas encore tout ce qui est disponible, hein. Je m'y connais pas trop en craft. Voilà, moi mon but serait plus de voyager d'une île à l'autre et de survivre à nous un jour. Voilà, il est 13h. On va survivre un bon petit jour. Jusqu'à la nuit au moins pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble et on arrêtera là. Donc je vais pas faire un let's play sur le jeu, je pense que c'est... Voilà, je reviendrai peut-être sur le jeu s'il y a de nouvelles mises à jour. Hein. Mais voilà, sinon je pense que pour l'instant ça suffit surtout que j'ai plein d'autres jeux à vous faire tester. Et surtout, les gens attendent, j'ai vu la saison 2 sur Arma 3. Les amis, j'ai retesté Arma. Cette fois-ci je ne joue plus à 7 FPS. Avec une qualité très basse, mais je joue bien à 45 FPS en très élevé. Voilà, avec à peu près, on va dire, 25 personnes autour de moi dans le jeu. Donc je pense que voilà. On va pas parler de Arma maintenant, on parle plus de Stranded Deep pour le moment. Donc voilà, franchement, si vous avez des jeux que vous avez envie de tester qui sont basés sur la survie, zombies ou tout ça, vu que je suis un peu un survivant, voilà. Mettez dans les commentaires, hein, surtout conseillez-moi des jeux, dites-moi ce qu'il y a comme jeu. Enfin, voilà. Donc, les bestiques sont là, je vois ce qui est... Ah! Non, 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 pas besoin de ça, je pense pas que ce soit utile. Ouh là là, j'ai mis un coup dans le vide. Donc voilà. Je sais pas s'il y aurait un autre truc caché là. Et attendez, mais il y a une autre boîte. Mais il y a une autre boîte, j'ai même pas vu. Je suppose que vous l'aviez vu et que moi j'ai. Eh, il y a deux boîtes. Une torche, magnifique, magnifique. Et j'avais pas encore trouvé. Elle ressemble à quoi? Okay, pas besoin de. Est-ce que je l'ai pas allumé? Ah, ne me dites pas qu'il faut des batteries. Bref. Bah, sinon, je vois pas trop ce qu'on peut faire hein, sur cette île. Je veux dire, on va peut-être pas s'attarder sur l'île. Ah oui, on va se faire une tomate hein, quand même, les amis. Une tomate, une patate. Voilà, j'ai faim, j'ai soif. Donc, on va déjà manger. Hein. Donc, elles sont les patates. Bah, je vais déjà faire mon petit feu. Voilà. Ça couille les amis. Donc la dernière fois que j'ai mangé une patate, j'ai vomi. Hein. Voilà, vous allez voir un peu si je vomis. J'aimerais bien aussi manger une noix de coco. Ou garder une noix de coco en ressources.
pense que c'est bon comme ça. J'ai plus de place. Le stick, en fait, on s'en fout. Hop. Non, merci. Vomis pas, vomis pas. Il vomit. Je me suis éloigné, hein, parce que j'étais presque sûr qu'il allait vomir. Par contre, du coup, ça n'a pas augmenté ma faim, ni fait baisser ma soif. Donc, je regarde s'il n'y aurait pas des noix de coco. Ah, s'il y a des noix de coco. Eh ben, c'est parti, les amis. On va aller se les chercher. Je pense pas qu'on a besoin de quelque chose pour aller prendre les noix de coco. Voilà. Par contre, j'ai pas envie de me péter là. Évidemment que je me suis fait mal. Ah, excellent, ils ont fait genre je me suis... Ah, c'est le bras en fait que je me suis cassé, regardez. Ah, c'est dégueulasse. Ah, je me suis cassé quelque chose. Je pense que mon bras est un petit peu bizarre. Par contre, je vais sûrement... Non, je sais pas, je pense pas. Est-ce que mon bras est toujours aussi... Ouais, mon bras est toujours aussi cassé, hein, donc... je sais pas si on peut réparer. Bref, donc je vais vous montrer un peu comment ça marche, les noix de coco, parce que c'est assez spécial. Donc vous avez la coquille, hein, de la noix de coco, donc le truc vert. Puis vous avez la noix de coco. Si vous tapez une fois dessus, vous avez fait un trou, on peut la boire. Ou encore mieux, si vous tapez encore dessus, vous pouvez la manger. Voilà, et vous avez deux morceaux. Donc moi, je vais déjà retirer la coquille de celle-là. Et je vais faire en sorte qu'elle soit buvable. Moi, j'ai déjà mangé un bout. Et on va boire une petite noix de coco. Voilà. Ah, apparemment ça sert strictement à rien. Ah non, ça sert à quelque chose et ça... Voilà, on en a plus besoin du coup vu que je l'ai bu. Je sais pas si on peut... Ah, on peut peut-être la boire puis la manger. Ça serait on boit le jus puis on la mange. C'est intéressant. Ouais, on va pas s'attarder ici. Je pense que il commence à faire nuit, donc moi j'irai bien sur l'île là-bas. Elle m'a l'air bien sympatoche. On va y aller, les amis. Parfois on n'a rien d'autre à faire. Hein. Alors on peut aller sous l'eau. Hein. Là, je tiens à le dire. On y est presque. Ouh, oh, c'est beau. On voit la faille. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Alors oui, je pagayais sur le sable. Voilà, ben il y a des petits bugs, on en rigole un peu, mais voilà quoi. Alors ça, je trouve que c'est quand même beau parce que à un moment, on voit certaines ondes, vous voyez, qui... Ça, c'est magnifique, je trouve que c'est magnifique. Je sais pas ce qui cause ça, je pense que c'est les vagues ou les nuages, mais je sais pas trop. Les requins, ils me les cassent. Ils me font chier dans les chicos, voilà. Oh! Tu sais pas venir ici. De l'air tank. Ouais. Donc on pourrait peut-être profiter un tout petit peu de la plongée, le temps qu'il fasse encore un petit peu jour. Ouais, c'est chaud. Mais non, mais descends, banane. Voilà. Je sais pas si on pourrait encore un petit peu voir. Comment je sais pas avec le requin qui traîne. Oh, un bateau, les amis. Oh tiens, j'avais pas encore vu de bateau. Je pense que ça peut être vraiment bien d'aller voir ça. Vous voyez, la nuit, ça ressemble, c'est assez beau. Normalement, la vidéo, elle devait durer à peu près 20 minutes. Mais bon, je vais peut-être laisser 5 petites minutes en plus juste pour le bateau, là. Mais moi, d'abord, je ferai peut-être un feu de camp. Ah, j'aurais dû prendre des sticks. Mais ouais, j'ai tout laissé. Moi, je suis pas du tout prévisible. Ah, mais j'ai encore ma torche. Ah, c'est pas possible, ils ont... Putain, j'ai pas de pile. C'est pas grave, on va vite se faire des sticks. Allez, tombe. Non, on va la tirer plus là parce que... Moi je conseillerais de mettre toutes nos ressources vers le bateau. Je pense que ce sera plus utile. Voilà. Ah, j'ai plus de place. En plus, c'est des trucs assez intéressants, quoi.
Tiens, je peux pas l'utiliser. Je vais. On va. J'ai une idée. On va déposer tout ce qu'on a. Voir si on peut faire quelque chose avec. Non. Bon, la lampe torche, elle sert un peu à rien du tout, donc. Moi, je pense qu'on va. On va la drop. Duct tape, voilà. Par contre, il me faudrait juste un bout de bois, s'il vous plaît. Un bout de bois, c'est trouvable. Enfin, je veux dire, voilà. Maintenant, où est-ce que j'ai mis tout ça? Voilà, c'est là. Voilà. Un feu de camp, et on va le faire du côté du bateau échoué. Oh là là. Ah, tiens, il y a des bulles là. Ah oui. Voilà, c'est déjà un peu mieux comme ça. J'hésiterais même en faire deux pour que. Ouais, non. On va juste prendre toutes nos affaires. Hein. Il y a encore quelques petites incohérences, hein, vous inquiétez pas. Par contre, je ne vois strictement rien, voilà. Alors aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a on a des petits amis, on n'est pas seul. Hein. On a nos petits amis les crabes ici, que je peux prendre, hein, évidemment, et que je peux balancer dans l'eau. Allez, ciao Johnny. Voilà, alors il y en a des petits, et il y a des énormes. Et je déteste les grosses, ça me fait penser à des grosses araignées. Et ben ils ont qu'à jouer là. Allez hop, dans la terre. Oh là là, c'est un nid de crabe. Au secours, je déteste. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont à mes pieds. Bref. On va utiliser ça pour aller sous l'eau, hein, les amis. Hop, je pense qu'on en a quand même pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Des binocles. Ok, on va vite ici. Oh, bateau. Petit bateau. Une torche. Est-ce qu'elle marche? Ah, nickel. Est-ce que je peux grimper aux échelles? Magnifique, ils ont pensé à ça. Par contre, je... Waouh, waouh, ne nage pas, s'il te plaît. Il y a encore une boîte. En fait, un bateau échoué, il contient plusieurs. Est-ce que... Oh, ouais. Ça rapproche un peu, mais... En plus, on peut pas les utiliser, mais bon. Pour l'instant, c'est pas... Voilà, on n'a pas vraiment besoin. Maintenant, je vais quand même... Ouais, il y a encore deux, trois petites incohérences. Hein, mais bon, voilà, c'est une bêta. Qu'est-ce qu'on a? Un marteau. Je sais pas à quoi va nous servir un marteau, mais... Battre. Moi, j'avais trouvé une hachette tout à l'heure, et ça, c'était vraiment cool, parce que j'aime bien. Attendez, on va prendre ça, hein. Espérons qu'il n'y a pas de requin. C'est bon. Parce que je vois qu'il y a un deuxième étage. Punaise, je l'ai pris vraiment au moment où il fallait pas. Je viens à peine d'entrer. Est-ce qu'il y aura un souterrain ou... Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un petit easter egg ici. Genre, je sais pas, moi. Je vais vite aller dessus. Oh, mais oui, je pense qu'il pourrait bien en avoir un ici. Là, on a des livres. Oh, qu'est-ce que... Oh, les amis, attendez. Oh, un seau, on a un seau. Un seau qui nous permet d'avoir de l'eau. Un compas. Oh, attendez les amis, parce que, en fait, c'est extrêmement intéressant, parce que peut-être qu'il pourrait y avoir une fin au jeu. Je sais pas, je dis peut-être grosse connerie, mais... Tiens, est-ce qu'elle marche, la lampe? Parce que j'ai pas... Ah! Ah, ça nous a dit... Oh, ça c'est utile. Le marteau, j'en ai pas grande utilité. Bon, je vais reprendre la torche, voir si elle marche. Évidemment, elle ne marche pas, donc... Inutile. La console. On a un moteur. Oh, ah oui, dans la mise à jour, ils avaient dit qu'on pourrait faire un bateau à moteur. Oh là 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 là, les amis. Oh là là, ça c'est riche. Hein. Donc si vous trouvez un bateau comme ça, bah, sachez qu'il contient énormément de choses. Donc ça c'est un mode... Oh là là. Ah, mais il faudrait trouver plus de bateaux, puis prendre les ressources. Et... Oh là là, c'est trop... Et en plus on a un compas ici qui nous indique... Je pense que... Donc le nord est par là. Voilà. Enfin, bref, moi j'irai plus vers l'est. Non, là, pour rentrer en Europe. Enfin bref, les amis, je pense qu'on va se laisser ici. Je veux que ce soit une belle vue de fin, voilà.
Voilà. Les amis. Hop, on va drop un petit truc. Hein, ça, j'en ai plus. J'ai pas encore bu de l'eau. Un début à tout. Voilà, on va se laisser comme ça. Les amis. Franchement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de reprendre les vidéos. Surtout qu'on est avec un nouveau PC et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc j'espère franchement que vous avez apprécié cette vidéo. Que vous êtes content de mon retour et tout. Et si vous avez justement apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Officer has engaged suspect vehicle in pursuit, confirmed.